Salut les amis, c'est Manu de la chaîne Telmer Telfish et aujourd'hui je vais vous présenter Dealer pas cher pour l'ouverture de la truite et je vais vous présenter toutes les caractéristiques de ces leurres qui coûtent tous moins de 10 euros voire moins de 5 euros. Alors le premier critère pour le choix de ces leurres, ça a été que je perds 90% de mes leurres le premier mois de l'ouverture, donc j'ai décidé depuis quelques années de pêcher avec des leurres pas chères, c'est-à-dire moins de 10 euros, comme ça au moins si je perds un leurre ça sera pas trop grave pour mon porte-monnaie. Le deuxième critère très important pour ces leurres, c'est qu'ils doivent être très efficaces, ils doivent être éprouvés. Et c'est des leurres qui ont déjà fait des millions de poissons les années précédentes dans le monde entier. Donc c'est des leurres en lesquelles j'ai vraiment confiance. Et le troisième et dernier critère, c'est des leurres avec lesquelles j'ai pêché depuis une trentaine d'années. C'est des leurres qui m'ont fait prendre beaucoup de truites au début de ma carrière de pêcheur à la truite et puis depuis des années. Donc c'est des leurres vraiment qui sont très efficaces et qui font prendre beaucoup de poissons. J'ai acheté l'intégralité de ces leurres que je vous ai présentées. Il n'y a aucun don, c'est vraiment des achats de ma poche pour soutenir les petits crafters français et donc les marques françaises ou étrangères comme Rapala qui est une marque du nord de l'Europe. Le premier leurre que je vais vous présenter, c'est mon premier poisson nageur avec lequel j'ai pêché il y a plus de 30 ans. Donc c'est le Rapala Countdown en 5 cm pour 5 grammes. C'est un très très bon leurre en balsa et c'est un super leurre pour débuter la truite et même pour d'autres sessions. Alors c'est un super leurre, vous voyez dans l'état qu'il est, il m'a fait prendre des dizaines de truites. Voilà, Rapala Countdown, et c'est un leurre que j'ai pu trouver à 8,50€. Cette couleur, c'est la MN Mino, c'est pour moi la meilleure couleur. Si vous devez en prendre un seul, prenez cette couleur MN Mino, c'est vraiment excellent. Très gros avantage, c'est un leurre silencieux, donc c'est un leurre qui sera très efficace dans les zones surpêchées. Voilà, le deuxième leurre que je vais vous présenter, c'est le leurre de chez Caperlan, le Mino de chez Caperlan. C'est un leurre qui fait 7 euros, donc pas du tout cher. Le poisson nageur, c'est un des moins chers et très efficaces. C'est un leurre qui fait 5 cm pour 4,9 grammes. Et cette couleur, c'est ma préférée, c'est la couleur Yamame. Il est bruiteur, donc très intéressant pour exciter les truites. Voilà, je vous présente le troisième leurre. C'est une cuillère palette française de chez MEPS. C'est l'Aglia 2 couleur argent. Si vous avez qu'un seul leurre à prendre, ça sera celui-là. C'est le moins cher de ceux que je vous présente. C'est un leurre qui fait 2,10€, que j'ai pu trouver à 2,10€. Donc c'est le moins cher. Et franchement, une couleur argent en début de saison, c'est toujours le top. C'est une cuillère qui fait 4,5 grammes. Et c'est une cuillère qui a fait des millions de truites. Le quatrième leurre que je vais vous présenter, c'est toujours une cuillère palette française en taille numéro 2. Mais là, c'est d'un crafter bourguignon qui s'appelle Truite Dundee. Et qui fait de superbes cuillères. Ça fait plusieurs années que je pêche avec. Cette couleur, c'est la couleur Marsh Brown. Donc c'est une super couleur. Et vous pouvez la trouver à 3,60€ sans la mouche. Juste toute simple et en montage tout simple sans le système anti-rolling. Voilà, donc 3,60€. Si vous voulez avoir ces options, elle sera un peu plus chère. Mais c'est une super cuillère. Et elle fait 4,65 grammes. Donc parfait pour la pêche de la truite en début de saison. Et voilà, passage à vide. Ça faisait une heure que j'avais pas fait de poisson, donc je suis parti à l'aval de la rivière et résultat des courses, un poisson au bout de 2 minutes. Voilà, je vous montre encore un super petit poisson magnifique qui va repartir très vite. Qui va repartir très très bien. Ah, ça fait du bien là. Allez, on va continuer. Une session de fou. Cinquième leurre que je vous présente, c'est une cuillère ondulante de chez MEPS. C'est la Cyclops en taille 00. Donc c'est un super leurre, une super ondulante. C'est la couleur argent rouge. Donc c'est une de mes plus belles couleurs et c'est celle que je préfère. C'est une cuillère qui fait 4,10€. Elle fait 4 cm pour 5 grammes, donc parfaitement adaptée à la pêche de la truite. Voilà le sixième leurre, c'est une cuillère ondulante de la Truite Aspoise, un crafter pyrénéen de la vallée d'Aspe. Et donc c'est ça, c'est une cuillère ondulante en 3 cm et une couleur très naturelle que j'adore, qui m'a fait prendre beaucoup de poissons la saison dernière. C'est un leurre qui fait 6,50€, elle fait 3 cm pour à peu près 3 grammes. Poisson ! Ouais, elle est belle.
Elle est superbe. Oh, elle est magnifique. Elle est super pour, ce, pour cette rivière. Elle est superbe. Oh là là. Allez, on se coupe les mains. On va lander tout de suite. Regardez, très très beau le poisson. Voilà, un très beau poisson. Je l'enlève tout de suite. Hameçon simple sans ardillon. Voilà, superbe. Allez, un superbe poisson qui va bien repartir. Allez, repart. Voilà, magnifique. Septième leurre, on va passer au leurre souple parce que j'adore cette technique aussi, les leurres souples. Donc là, c'est un leurre souple de chez Powerline en 6 cm. Marque française fabriquée en France. Et là, c'est la couleur blanche. Vous pouvez trouver une pochette de leurre de 10 leurres à 7,90€. Donc ça, c'est vraiment pas cher avec les têtes plombées. Et c'est un leurre qui est très très souple. J'ai fait énormément de poissons avec quand j'étais au Québec et avant mon départ en France. Et donc il est très très souple. Huitième leurre, un leurre souple de chez Target Bettler. Donc ça, c'est un paddlefish en 2 pouces et demi qui fait 6 cm. Donc c'est un leurre qui est sans produits chimiques dangereux pour la santé des poissons et de nos eaux. Donc là, c'est une couleur blanche. Alors là, ça va être la boîte de leurre qui va être la plus chère. Elle est à 9,90€, ce qui revient à moins d'un euro le leurre souple, plus une petite tête plombée à rajouter. Et c'est un très très bon leurre qui m'a fait prendre de belles truites, de beaux black bass et de beaux poissons. Neuvième leurre, c'est une cuillère tournante mais inline, en ligne. Donc là, c'est la Panthère Martin, classique, toute simple. Une très très belle couleur, Rainbow Trout, qui m'a fait prendre de beaux poissons la saison précédente. Donc celle-là, c'est une cuillère en taille numéro 2, mais moi je vous conseillerais la taille numéro 4, un peu plus lourd. C'est un leurre qui fait 5,80€, et pour la taille numéro 4, c'est un leurre qui fait 3,5 g, donc parfaitement adapté pour la pêche en début de saison de la truite. Ici, il y a souvent des... Ici, tu as eu des verrues. Poisson, elle est belle, Nelly. Elle est belle. Vas-y, prends-la. Vas-y, vas-y. Changement de leurre payant. Qu'est-ce que je t'ai dit? Changement de leurre payant. Voilà. Allez, on se pose les mains. Voilà, un très beau poisson. Allez, on va la remettre très vite à l'eau. Mais... Allez, ben voilà, elle est repartie. Dixième et dernier leurre. Une cuillère tournante toujours inline, en ligne. Celle-là, c'est la cuillère de chez Tridundi en taille numéro 2. La couleur, c'est la salamandre. C'est une cuillère que vous allez trouver à 3,60€ sans la mouche ni le système anti-grillage. Et c'est une cuillère qui fait 5 grammes, donc qui est assez lourde, parfaitement pour les rivières en début de saison.
Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Une belle journée, une petite sortie bushcraft. On découvre quelques petits ruisseaux où il y a des belles truites qui vont se balader. Allez, à plus les amis, prenez soin de vous et allez à la pêche !